Harry et Meghan Markle, leur voyage surprise avec Archie et Lilibet avant Noël. Bien qu'ils prévoient de célébrer Noël en famille aux États-Unis, les Sussex ont choisi de prendre quelques jours de vacances au soleil avant les fêtes de fin d'année. La famille s'est ainsi envolée pour le Costa Rica afin de profiter de quelques jours sur les plages de sable blanc. À 2 jours seulement de Noël, certains ont déjà donné le coup d'envoi aux festivités, à l'instar du duc et de la duchesse de Sussex qui ont pris leur envol avec leur petite famille en direction du Costa Rica. Selon CRHOY.com, le prince Harry et Meghan Markle auraient passé une semaine à explorer les régions de Zapotal, de Nandeyur et de Guanacaste, se délectant des plages de sable blanc et des forêts tropicales luxuriantes. Partis le 14 décembre dernier, ils sont rentrés ce mercredi 20 décembre. Le média local a récemment publié des clichés du duc et de la duchesse de Sussex circulant dans une voiturette de golf en compagnie de leur fille de 2 ans, la princesse Lilibet. Leur fils, le prince Archie, âgé de 4 ans, n'était pas visible sur les clichés. Il semblerait que le couple ait consacré une grande partie de ses vacances à se relaxer sur la pittoresque Playa Carillo et sur les plages locales de la province de Guanacaste, réputées pour leurs stations balnéaires luxueuses. Ils suivent ainsi les traces de célébrités telles que la chanteuse Shakira, le comédien Kevin Hart et l'actrice Jane Seymour. Pas de réconciliation pour Noël. La fuite de Harry et Meghan vers le soleil d'Amérique centrale intervient alors que l'on apprend que le couple ne participera pas aux célébrations de Noël à Sandringham cette année, préférant demeurer aux États-Unis avec leurs enfants. L'espoir d'une réconciliation semblait pourtant renaître ces dernières semaines, avec des rumeurs suggérant une possible venue des Sussex au Royaume-Uni pour les festivités. Il semble que ces spéculations n'aient pas abouti. Des indications laissaient entendre que le roi Charles III et le prince Harry étaient disposés à apaiser les tensions. Les Sussex avaient même exprimé leur volonté d'accepter une invitation à Sandringham pour Noël. Malheureusement, ce ne sera pas pour cette année. Les membres de la famille royale, Charles III, Camilla, Kate et William et leurs 3 enfants, seront rejoints par les proches de la reine Camilla, notamment ses enfants, ses petits-enfants et sa sœur.